attention, tu mets tes pieds, non? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je fais des pompes, ça se voit pas. Pourquoi? Pour être en forme. En forme de quoi? Pourquoi tu les fais pas dans ta chambre? Parce que j'ai décidé de les faire dans le couloir, voilà pourquoi. Voilà. Tu m'excuses, je continue? Ouais. Bon courage. Merci. Aïe! Ça va pas, non? Mais tu peux pas faire attention, tu mets tes pieds, enfin! Excuse-moi! Mais c'est dingue! C'est dingue! Mais qu'est-ce que tu fais là aussi? Je suis en train de faire des pompes, ça se voit pas? Et ne me demande pas pourquoi je les fais pas ailleurs, j'ai décidé de les faire dans le couloir, voilà! Bon, écoute, je suis désolée, je peux pas parler, faut que je continue. Bon, bah fais attention quand même, parce que tu vas finir avec des bras de déménageuse, toi. Oui, oui, t'inquiète pas, allez, vas-y. Bon, tout à l'heure, je me lave. Oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu as vu quelque chose de drôle? Non, mais t'as vu la vie dans le couloir? Non, mais qu'est-ce qu'elle a encore? Ben, je sais pas, elle a décidé de faire des pompes ce matin. Ah bon? Alors, c'est peut-être composer le manque qu'elle a avec Sébastien. Ah oui, peut-être, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais moi, il faudrait peut-être que j'essaye, hein. La prochaine fois que je me fâcherai avec José. Ça sera pas mal. Et toi, ça va avec Olivier? Eh oui, tu sais, il est adorable. Il m'envoie des fleurs tous les jours. Mm-hmm. Et ce que j'adore le plus, c'est qu'il m'envoie des petits mots de mots qu'il me glisse dans les poches pour que je les retrouve le soir. Oh, c'est mignon, ça. Ouais. Et José, il ne fait pas ça? Ah non, José, non. Non, c'est autre chose, José. Non, lui, il met des petits mots dans les poches, mais c'est toujours pour me demander quelque chose, des services. Enfin. Il a d'autres qualités. Ah oui, alors j'espère bien pour toi. Tu trouves pas que les garçons sont craquants quand ils s'y mettent? Mais oui, ils sont craquants. Mais tu sais, je pense à un truc. Je crois vraiment qu'il faut que je me méfie d'Alex. Ah bon, pourquoi? Mais parce que, avec ces histoires de 5 fiancés, là... Moi, j'ai peur qu'il contamine mon José. Oui, connaissant José, tu n'as pas tort. Ouais. Enfin. Oh, il a l'air sympa, Alex, quand même. Ah, ouais. Alors, tu sais, si j'avais pas rencontré Olivier... Et qu'est-ce que t'aurais fait? Moi, je crois que j'aurais viré les 5 autres filles. Et les filles, 200 pompes en 10 minutes. Pas mal, hein? Dis donc, bravo, Malélie. Mais attends, attends, viens un peu. Tu peux peut-être nous expliquer maintenant pourquoi tu fais ça? Eh ben ouais, pour être en forme. Et pourquoi est-ce que tu veux être en forme justement maintenant? Eh ben, parce que j'ai décidé de m'engager dans l'armée pour rejoindre Sébastien, voilà. C'est pas son truc au petit nouveau, hein? Ah bah qu'est-ce que tu veux avec toutes les fiancées qu'il a? Bah il est débordé. Enfin tu vois, on est en train d'attendre là, t'imagines? Oh mais tu serais pas un peu jaloux toi par hasard? Attends, moi de lui, pourquoi? Hein? Parce qu'il a 5 filles que j'en ai aucune? Hmm? Ah, pour toute ta petite raison, je suis extrêmement jaloux. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a plus que moi, hein? Je te demande, hein? Excusez-moi, je suis en retard. Je suis désolé. Oh, c'est pas grave, vieux. Attends, c'est une demi-heure qu'on attend, hein? Là, c'est vraiment pas ma faute, tu m'excuses. J'ai une grosse tuile. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Une de tes fiancées t'a quitté? Non, mon achat d'électronique est tombé en panne. Alors si ton petit planning avec toutes tes filles là a disparu, c'est catastrophique. C'est exactement ça. Je sais plus du tout où j'en suis. Oh, oh bah mon pauvre vieux. En plus, je devais prendre le petit déjeuner ce matin avec l'une d'entre elles. Mm. Je sais plus laquelle c'est. Attends, c'est la meilleure. Tu te rappelles vraiment pas? Non. Je sais plus si c'est Fabienne ou Annie. En tout cas, ça, c'est pas Coco. Ça, c'est certain. Je l'ai vu hier soir. Et je prends jamais le petit déjeuner avec la fille que j'ai vue la veille. Par marre, ça t'en laisse encore 4, hein? Mais attends. Tu peux vraiment pas appeler? Mais non. Je te dis, officiellement, je suis en gala. Tu vois, genre... Bon, tu lui as donné rendez-vous où? Mais ici, je comptais vous la présenter. Ça, c'est sympa. Bon, écoute, de toute façon, ne t'en fais pas. Celle qui arrivera, arrivera, et puis tu verras bien. Ouais, d'accord pour ce matin. Mais reste de l'après-midi, je fais quoi, moi? T'es pas en train de me dire que tu peux rien faire sans ton agenda? Mais si, j'ai aucune mémoire. C'est pour ça que j'ai pris un agenda électronique. Attends 2 secondes, dans ces petits trucs-là. Les mémoires sont sauvegardées, normalement. T'as peut-être pas tout perdu. Le magasin ouvre qu'à 10 heures.
Écoute, essaie de tenir au moins jusque là et puis en attendant, on est là. Alors t'inquiète pas. Ben ouais. Cool. Hein? Oh, c'est elle. Je suis soulagé. C'est qui elle? C'est Fabienne. Fabienne, je suis là. Bah Alex, qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà rentré de gala? Oui. L'hôtel était minable, alors on est rentré en voiture. Oui, non. Ce qu'il veut dire, c'est que l'hôtel était complètement minable. Des blattes partout, l'enfer. Et c'était d'un sale, hein? Je te dis pas où. Et donc après, bah, on s'est relayé pour conduire. Tu comprends? Pour conduire? Mais je croyais que t'étais allé en avion. Oui, mais on a pris une voiture pour rentrer. C'est plus pratique, tu comprends? C'est... Donc, pauvre chérie, tu dois être épuisé. Oh. Nice-Paris, mais ce n'est pas rien, hein? Oui, remarque, on s'est relayé pour conduire. Comme ça, il a pu dormir à l'arrière. Super, c'est vous, ses copains musiciens? Oui, je te présente Olivier et Christophe. Salut. Enchanté. Moi, c'est Fabienne. On avait compris. Alex nous a beaucoup parlé de toi. Voilà. Ah oui, comme c'est mignon, ça, Alex. Mais écoute, c'est super que tu sois rentré. Comme ça, on va pouvoir déjeuner ensemble tous les deux. Enfin, tous les quatre, si vous m'acceptez. Oui, bien sûr, sans problème. Tu vas t'asseoir. Oui, mais avant, j'ai juste un petit coup de fil à donner pour prévenir que je serai en retard. Tu me commandes un chocolat chaud, mon chéri? Bien sûr. J'arrive tout de suite, mon cœur. Ah la galère, la gaffe. Attends, t'as bien aidé quand même. Ouais, vous avez été super. Mais si c'est pas avec elle que j'ai rendez-vous ce matin, l'autre, elle va pas tarder à arriver. Ah bah oui, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. Oh non, ça y est. C'est Valérie. C'est elle? Je m'en souviens. Tu es là. Salut. T'as bien dormi? Exceptionnellement bien. On y va? Pourquoi? On n'est pas bien ici? Non, je préfère qu'on soit en tête à tête. Ça vous embête pas de dire à ma cousine que je la verrai plus tard? Mais non, où penses-tu? Ta cousine? Qui c'est ta cousine? C'est ma cousine, je t'expliquerai. Bon, oui, allez, on s'en occupe, hein. Salut. Bon, bah, à plus, hein. Salut. Il est passé à deux doigts de la catastrophe. Maintenant, c'est nous qui le sommes. Ça y est, c'est bon. Mais où est Alex? Fabienne, assieds-toi. Écoute, Alex a dû partir précipitamment. Oui, il a complètement oublié qu'il devait amener la voiture au garage. Mais pourquoi c'est lui qui est allé alors que j'étais là? Parce que c'est le seul à avoir le permis. Eh oui! Ah oui? Mais je croyais que vous étiez relayé pour revenir de Nice. Eh ben oui, on s'est relayé, mais il se trouve qu'on n'a pas notre permis. Bah, c'est comme ça. Mais alors ça, les garçons, c'est vraiment pas bien. Conduire sans permis, mais c'est de la folie. Lélie, t'es folle, tu vas exploser, enfin. Mais il faut bien que je me nourrisse pour mon entraînement. Voilà. Lélie, t'es folle de faire ça, de toute je façon. Je fais ce que je veux. Mais écoute, sois raisonnable, c'est complètement ridicule. T'as pas t'engager dans l'armée, écoute. C'est vrai? Je ferais n'importe quoi pour retrouver Sébastien. Mais voilà. Enfin, il a raison, Nicolas, tu vas pas t'engager. Et de toute façon, ils sont intelligents, ils prennent pas les filles. Oh bah merci, c'est gentil ça. Non, merci. Mais t'inquiète pas, il dit n'importe quoi, le petit José. Tiens, j'ai de la lecture pour toi. C'est quoi ce truc? C'est un magazine sur l'armée. Ouvre, il y a une page marquée. Voilà. Et qu'est-ce qu'on lit en gros? Qu'est-ce qu'on lit en gros? Entrez dans une carrière d'avenir, engagez-vous comme auxiliaire féminine dans l'armée. Tiens, Matt. Tiens, d'accord. Je te jure. Je vois le genre. Tu vas te retrouver dans une cantine ou au fin fond d'un bureau. De toute façon, t'as une chance sur un million d'être nommé dans la même caserne que Sébastien. J'ai un plan d'attaque. Et c'est quoi ton plan d'attaque? Tu peux nous le dire? Oui, je peux vous le dire. Le plan d'attaque, c'est le suivant. Je rentre dans n'importe quelle caserne, je fais du Sherman gradé et je m'arrange pour qu'il me transfère dans la caserne où se trouve Sébastien. Voilà. Non mais attends, Lali, mais tu rêves ou quoi? Tu crois que ça se passe comme ça là-bas? Tu vas voir, tu vas tomber sur des vrais mecs, des purs et des durs. Attends, et si tu t'amuses à faire du charme à un gradé, bah tu vas te retrouver avec la bague au doigt vite fait bien fait. Non mais écoute mon pauvre José, j'ai fait mes classes chez Monsieur Alfredo et ça je peux te dire qu'il n'y a rien de pire. Ça n'a rien à voir. C'est raisonnable lui ça. Pour vous c'est pas important mais pour moi c'est l'essentiel. Moi Sébastien me manque trop. Même si j'ai une chance sur 100 de m'en tirer, eh ben je la saisis. Bon, bah fais comme tu veux, on t'aura prévenu, hein. Ouais, exactement. Dis-moi, Nicolas, tu veux pas me passer le bouquin qui est juste derrière, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Un bouquin sur le test qu'il faut passer à l'armée. Et d'où ça vient, ce truc là? Ça vient de la librairie des armées, j'y suis passée hier soir. Oh là là, bah tu prépares bien ton coup, toi, hein. Mais écoutez, je suis pas une idiote, quand même. Bon, c'est pas compliqué, il suffit que j'apprenne tout ça par cœur, et je vais m'en tirer comme une grande. Ha ha ha.
pas, je vous jure. Mais vous auriez dû voir la tête d'Alex sur son agenda électronique, c'était à mourir de rire. Ouais, vous deviez avoir l'air fin que cette fille sur les bras. Bah là, on s'en est sorti de justesse. Bah, elle nous a fait la morale pendant 3/4 d'heure parce qu'on lui avait raconté qu'on conduisait son permis. C'est la fille d'un gendarme. Hein? Ouais. Je viens. Dites-moi, cette histoire de Lali là, qui veut s'engager dans l'armée, c'est du sérieux? Ben, apparemment, elle a l'air d'y croire dur comme fer. Ça, elle a bien combiné son coup, hein. Ça, elle veut le rejoindre, son Sébastien, dans sa caserne. Coûte que coûte. Remarquez, pour une fois, ça va changer, hein. C'est les officiers qui vont souffrir. Lali, je crois qu'elle est prête à tout, hein. Ouais, tu parles, elle est pire qu'une guerre atomique. Ah, Alex. Alors, c'est bon, ça y est, tout est réparé. Je me dis pas, j'ai eu la peur de ma vie. Mais tu sais, tu devrais recopier ça sur papier. Jamais, c'est plus prudent. Ouais, mais bon, faut que je me trimballe avec une pile de bouquins. Et ça change tous les jours, donc... Mais... T'as inventé l'amour électronique ou quoi? C'est un peu ça, ouais, mais bon, c'est plus pratique. Mais dis-moi, les mémoires de ton truc, là, ça va, elles sont pas mieux? Ouais, c'est bon, tout y est, jusqu'à l'emplacement de l'organe de beauté. Ah, évidemment, si tu répertories ce genre de détails, je comprends que tu mettes ça sur ordinateur. Excusez-moi, je peux entrer? Oui. Oh, mais c'est Fabienne. Oui, je cherche Alex. Ah, Alex, tu es là. Super. Qu'est-ce que tu fais là? C'est vous qui l'avez donné l'adresse? Ah, mais non. Non, non, c'est pas eux. J'étais chez Alfredo, c'est... ils sont très connus là-bas, tu sais. Ils m'ont dit que vous répétiez ici. Mais c'est bien. Qu'est-ce que tu voulais? Bah écoute, je voulais savoir si pour ta voiture ça s'était arrangé, parce que sinon, moi ça me dérange pas du tout de te prêter la mienne. Enfin, une seule condition, c'est que tes copains ne roulent pas avec sans permis. Ma voiture. Mais oui, ta voiture, la voiture que tu étais portée réparer ce matin. Ah oui, ma voiture, oui. Non, mais ça va, tout est arrangé, c'est bien, il n'y a aucun problème. T'es sûr? Parce que moi, ça me dérange pas du tout. Non, non, mais ça va, tout va très bien. Merci. Bon, pas très bien. On déjeune toujours ensemble après-demain? Évidemment. Enfin, remarque, comme t'es là, on peut peut-être déjeuner ensemble à midi. Amélie, c'est pas possible. On est très en retard dans nos répétitions, on déjeune pas, on mange pas, on travaille. Ouais, d'ailleurs, faut qu'on s'y mette. On y va? Ouais, ouais. Les gars, on s'installe, là. Oh, mais je peux rester, moi j'ai jamais vu une répétition. Non, là c'est pas possible parce qu'on est en train de répéter un nouveau morceau, puis on peut pas le faire écouter une personne étrangère au groupe, ça veut dire. Ouais, vous êtes superstitieux, c'est ça? Ouais. Vous remarquez, je vous comprends parce que moi je passe jamais sous une échelle. Il paraît que ça porte malheur. Ouais, ça va. Ah, si, vous avez raison. À bientôt. À bientôt. Bon, bah, bon courage. On déjeune toujours ensemble après-demain, hein. Oui, oui, c'est marqué sur mon agenda. Salut. Salut. Au revoir. Merci, ça a été génial. Eh ouais, c'est l'esprit de groupe. Allez, on y va. Ouais. Allez. Place. Allez. Allez. Non mais Lali, non mais ça va pas là, tu t'es vue? T'as pas l'impression de te faire un peu remarquer là? Non. Non, non, pas du tout. Tu sais, c'est pas très élégant ce que tu portes. Je sais, mais je vous ai dit. Je ferai n'importe quoi pour être avec Sébastien, même habillée en Rambo. Mais je ne vois pas le rapport et que ce n'est pas la peine que tu te déguises comme ça pour te faire engager dans l'auxiliaire féminine de l'armée. Bon, les filles, je vous l'ai déjà dit, si je veux entrer dans l'armée, il faut que je m'assimile au personnage. Donc il faut que je m'habille comme un soldat. C'est pas compliqué, ça. Cette fille est complètement folle. Non, mais si Adeline et elle te voyaient, mais elle te prendrait pour une tarée. Au lieu de vous moquer de moi, vous devriez plutôt m'aider parce que je passe mes examens cet après-midi et j'ai envie d'être prête. Bon, d'accord. Bénédicte, tu peux me tenir mes pieds, je vais faire des abdos. Non. Allez, viens. Si tu veux. Parce que tu crois que t'as une chance de te faire engager dans l'armée, toi? Tout à fait. J'ai appris le bouquin par cœur, je sais tout. Et en plus, vous verrez bien. Je passe les tests cet après-midi. Oui, bon, d'accord. Mais imagine que tu sois prise. Est-ce que tu as pensé à la tête que Sébastien va faire en devant débarquer chez lui dans sa caserne? Ils sont très contents, je vois vraiment pas pourquoi tu me poses ce genre de questions. Mais attends, mais tu crois pas que, je sais pas, il va se sentir un peu ridicule quand il va devoir débarquer comme pas ça? Pas du tout. Il sera très content d'avoir quelqu'un à ses côtés alors que lui sera en train de traîner dans la boue. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et puis, je sais pas, moi, quand il va rentrer le soir, il sera content d'avoir quelqu'un qui va lui laver son petit treillis, ses petites chaussettes, qui va lui faire son lit, qui s'occupera de lui, quoi. Ah oui, non, mais moi je suis entièrement d'accord avec toi. J'imagine la tête de l'adjudant quand il va devoir débarquer pour laver ses petites chaussettes, faire son petit lit, tout et tout.
L'adjudant n'aura qu'à s'y habituer. Voilà, moi, ce qui compte, c'est que je sois avec Sébastien. Un point, c'est tout. Fini les abdos. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, il me faut le silence. Car je vais passer mes tests de caution intellectuelle. Et je suis sûre que je vais faire des étincelles. J'y vais. Oh. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bénédicte, stylo, livre. Oui, chef. Merci. Stylo, livre. Bon. Question. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Je vais lui raconter maintenant un petit bisou. Bon alors, vous nous racontez ou quoi là? Vas-y, Bénédicte, je n'y arrive pas. Déjà, Lali est rentrée en pleine salle de sport ce matin en treillis. Vous imaginez la tête des autres? Ça doit être drôle. Et à 7 heures de maman, je croyais qu'ils allaient appeler la police parce qu'elle a commencé à ramper en poussant des grognements. Pourquoi elle a pas fait ça? Mais si! En plein milieu de la salle de sport. Mais pourquoi? Parce qu'elle voulait se mettre dans l'ambiance. T'as ramé. Non mais le pire ça a quand même été quand elle a voulu tester son QI. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Et bah qu'est-ce qui s'est passé? La chute a été fatale. Elle arrive à 22. Si vous aviez mis sa tête. Quoi? 22? Bah attends, normalement c'est 100. Hein? Mais justement, mais c'est pour ça qu'elle était folle de rage. Elle s'est mise à jeter son livre contre les murs en hurlant que les tests étaient certainement faux et que de toute façon, c'était quelqu'un de supérieurement intelligent et cultivé. Ouais, tout le monde lui regardait, c'était terrible. Non mais attendez, le plus drôle, c'est qu'après ça, pour bien nous démontrer que les tests étaient faux, elle a voulu nous faire passer le QI et nous, on est arrivés toutes les deux à 130. 130? Elle a dû faire une de sa tête. C'était pire que ça, elle était désespérée. C'est triste cette histoire. Plus, pas gentil de se moquer de Lali. Si elle a des problèmes, c'est pas de sa faute. Mais attends, mais Lali, elle a pas de problème. Si elle arrive à 22 en QI. Oh, mais c'est parce qu'elle voulait faire des réponses originales, c'est tout. Mais oui, elle s'est imaginé que 2 de 4, c'était trop simple. Alors elle s'est dit, 2 et 2 font 5, c'est vachement mieux. T'inquiète pas, quand tu connaîtras mieux Lali, tu comprendras. Alors elle s'est calmée ou quoi là? Mais non, elle a commencé à hurler que ce n'était pas un QI à la noix qui allait l'empêcher de voir son Sébastien. Et elle est partie faire ses tests de recrutement. Bah oui, je crois qu'on est tranquille, quoi. Sérieux, c'est génial, j'ai signé, ils m'ont retenu. Je suis engagée. Mais vous vous rendez compte, c'est génial de voir Sébastien, mais c'est super. Mais du calme. Tu sais pas encore où tu vas être nommée, alors calme-toi. Mais l'important, c'est que je sois engagée, non? T'es sûr que tu vas être engagé? C'est en général, ça prend plus de temps que ça. Hein. Écoute, vu la tête du responsable quand il m'a reçu, à mon avis, il est fou, amoureux de moi. Il a dû activer la machine. Attends, Lali, comment ça? Eh ben oui, quoi. Tu fais un ou deux sourires. Ah, mais tu n'as pas honte d'user ton charme pour obtenir ce que tu veux? Je n'use pas mon charme. J'ai du charme, c'est tout. Et je lui ai fait aucune promesse à ce petit bonhomme. Ouh là là là, mais t'as dû le laisser espérer. Bah, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on est si peu de choses à côté de vous, les filles. C'est maintenant que tu n'auras personne, toi. Mon pauvre Polo, je sais. Je sais, je vais te manquer, mais qu'est-ce que tu veux? C'est important que je vois Sébastien, hein, tu comprends? Tu sais, Lali, c'est pas sympa de laisser seul comme ça. Non, mais t'inquiète pas. Une fois que Sébastien et moi saurons dans quel endroit on est établi, on fera venir Polo. T'es content, Polo? Bien, ravi, hein. Ça va faire un si grand vide dans le salon. Ouais, sérieusement, Lali, tu sais ce que tu vas faire exactement? Ouais, je vais être aide-soignante. Comme ça, j'aurai plein de temps libre pour Sébastien. Mais aide-soignante, mais t'y connais rien, Lali. Comment ça, j'y connais rien? Je sais faire un pansement, je peux donner une aspirine. Non, 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 non. Bah, dis donc, s'ils engagent les aides-soignantes comme ça dans l'armée,
Vaut mieux pas être malade, moi je vous le dis. Dis-moi, Lali, t'es sûre d'être engagée ou moi? Mais bien sûr que je suis sûre. Tu veux voir le papier? Tiens, j'ai mon contrat. Voilà. Tu veux toujours tout vérifier, mon pauvre Nicolas. Voilà. Regarde. Alors? Lali, t'as lu ce qu'il y avait écrit là-dessus? Ben non. Ben non, tu signes les choses sans les lire. J'ai signé parce que je savais ce qu'il y avait dedans, enfin. Il est bête. Tu sais que tu pars en Allemagne pour un an, là? Hein? Après demain? En Allemagne? C'est pas vrai, c'est marqué où, ça? Là. Bah. Oh non, bah ils ont dû faire une erreur. On va vivre rectifié, je pense. Non, mais attends, Lali. Peut-être que ce fameux type dont tu nous parles, soi-disant fou amoureux de toi, bah s'est peut-être rendu compte que tu te moquais de lui. Et il a fait ça pour se venger. Mais c'est pas possible, mais. Mais qu'est-ce que je vais faire en Allemagne, moi? Mais c'est pas possible! Un garçon et une fille qui se sourient, un regard échangé, un soir d'été, deux enfants du même âge qui s'aiment sur une plage. Cela s'appelle le miracle de l'amour. Un baiser que l'on donne, les yeux fermés, deux cœurs qui s'aiment.